Et nous sommes de retour pour plus de War Tales. On va continuer notre petite aventure à Luderne. On va continuer ça. Donc on a la mission de quête. Non, mission d'histoire plutôt. Et après on a encore deux choses à faire. On arrive à se faire de l'argent en revendant ce qu'on récupère, parce que c'est vrai que c'est assez cher ici. C'est assez haut niveau en fait. Donc c'est bien, mais il va falloir quand même s'occuper des choses. Ici. Maintenant, par exemple, c'est devenu moyen, ça. Avant, c'était difficile. Mais bon, on va faire un peu l'histoire. On va continuer l'histoire. On était là. On va regarder le marché. On a un mec qui part. C'est le mec qu'on a aidé à s'enfuir, je crois bien. La dernière fois. Ici, ils se sont fait attaquer par des crocopores. Ça s'est bien passé. Le combat s'est bien passé. On a toujours comme but de récupérer des nouveaux moustiques pour faire des tests avec la fureur là. Faut bien tester. Hein. Donc ouais. C'est parti, on se casse. Donc lui, on peut pas lui parler rien, il part tout simplement. Je sais pas s'il faudrait le suivre ou pas, j'en sais rien. Il y a des moustiques. Oh, il y a les zombies qui arrivent en fait. Je sais pas où vont les zombies. Genre là-bas peut-être. Ah, il y a sûrement une nouvelle... Ils combattent quoi là? Ah, c'est moustiques et... Et porc. Non mais lui il va crever là, non? Non, non ça va, n'attaque pas. Là il y a une ville fantôme je pense. Mais ouais, je sais pas exactement où ils vont les... Bon allez on se casse. Il y a la garde qui arrive en plus. Je sais pas pourquoi des fois la garde elle trace ici, je comprends pas ça. En plus, on a un objet volé. Qu'on n'a toujours pas blanchi. Enfin bref. On peut faire le tour normalement. On peut faire le tour. Mais ouais, cet endroit est sympa honnêtement. Enfin, cette région, elle est sympathique. C'est difficile, c'est du combat et tout souvent. Donc ouais. Ah, voilà. Alors, le professeur Winfrey, je suis content de voir que lorsqu'on vous appelle, vous répondez prestamment, mercenaire. Sans le vouloir peut-être, vous nous avez beaucoup aidé et fait montre aussi bien de votre fiabilité que de vos compétences. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour une mission très spéciale. Avez-vous déjà traqué la meute fantôme? Oui. La première étape de cette mission consiste à m'accompagner là où commence la piste. Voici la carte que nos informateurs ont dressée de l'endroit où je vous suis. Okay. Le professeur, c'est un fantassin niveau 9. Il suffit de porter cette tenue pour se sentir soudain plus intelligent que ses interlocuteurs. Et pourquoi il veut qu'on fasse la traque? On a pas déjà fait une ici en plus? What the fuck? C'est où? Ah, ça c'est la ville principale! C'est juste en bas. Ok. Ah, c'est pas où les gens se sont fait attaquer. Genre, il y a une caravane par terre et tout ça. Par contre... Par contre, ça va être embêtant pour passer. Un truc qu'on peut faire, c'est se reposer au clan. Là-bas, Se reposer au clan, et après on voit pour faire la tour, là. Comme ça, on fait une pierre de coups. Ah ah! Des quoi, secret. Arc élégant. Après, j'ai cru voir autre chose.
Oh! Inquisitrice Emeria. Ok, ça doit être un... Je sais pas. Sinon, on a un arc 7. Non, il est quoi? Il est 8. Bon, bah c'est quoi? On peut le... On peut le vendre. Non, mais du coup, il faut qu'on se repose. Ah, je sais pas où ils vont, les zombies. Alors... On n'a pas de plat. On n'a que 6 jours de nourriture. Je sais pas si ça va être suffisant. C'est un peu le problème qu'on a. Ça... les fruits confits, on va les garder de côté. Ok, on est bon. 511. Alors. C'est potable. 119. 900. Ouais, il y a un petit bug quand même avec, avec la nourriture. Tout petit bug. Ça, faut le virer, sinon il va puer. On va en mettre un. Là, on a les rats. On est bien. Toi, t'as toujours pas blanchi ça. Là, ça c'est bientôt fini. Il y a sûrement un temple ici, hein, parce que ça parlait de temple en plus. Donc il y a possiblement et sûrement un temple ici. Genre il y a des des gens qui raident les temples et tout ça, là, des brigands. Donc il y en a, hein. Bon, on va aller faire ça là-bas. Ça risque d'être un peu plus compliqué que d'habitude. Et on va le faire. On va d'abord vendre ce qu'on a. Hop, tu vois rien d'intéressant. J'ai vu qu'on avait pas mal de cuir aussi. On pourrait en vendre un peu, j'avoue. Ça nous aiderait aussi un peu pour le poids. Ok, parfait. Ancienne tour de guet des Dorans. Alors, c'est des niveaux 10. Des renforts ennemis arrivent. Moi, je te dis qu'on peut le faire. Et le professeur. Professeur, il va nous aider ou pas? Attends, est-ce qu'on est bon en équipement? On va faire ça. Ok, go. Go, go, go. Ça devrait aller. On va faire des murs. On va entaler les cadavres, les empiler. Honnêtement, on peut peut-être les tuer avant que les renforts arrivent, même, vu comment ils sont disposés. Je serais pas étonnant. Je serais pas étonné plutôt. Mais ça ne serait pas étonnant. Alors là, il y en a 3. Là, il y en a 4. Là, il y en a 4 aussi. Elle est où la Lucie? Non, ça c'est Miège. La Lucie, elle est là.
Aska. J'ai envie de reprendre des ours, rien que pour la bravoure, honnêtement. Ou alors, on joue moins avec la bravoure, je sais pas. Il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose à un moment ou à un autre, parce que on risque de se trouver dans la merde. Les cochons, on va pas les mettre, on va les laisser au milieu. Là, il n'y a pas trop de champs. Ça, oui, il va pouvoir les défoncer. Parce que je voudrais bien les tuer avant que les renforts arrivent. Enfin, quoi que, soit honnêtement, ça va pas vraiment être difficile. Même avec renforts. Allez, go. Ah! Intéressant. 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 Il consomme beaucoup de points, mais il en récupère quand même pas mal aussi. Voilà, avec la fureur, ça passe mieux. Très bien. J'ai envie de tester un truc. Merde, mais il est pas engagé, qui est débile. Quel débile. De la merde. Toi. Je pense qu'on peut faire ça et toucher les trois. Ouais. C'est pas parfait le système de pool en fait. Les gens, de les attirer, c'est pas. Enfin, c'est pas parfait. Ça fait pas exactement ce que je veux en fait. Mais ça peut être utile. On peut l'utiliser. On peut l'utiliser. Hey! Wow. Okay. Maintenant, il va avoir un gros boom. Avec les meilleurs amis.
vais quand même te défoncer un peu l'armure. Voilà, je pourrais même me mettre... Ah non, 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 non. On peut pas faire l'ordre. Et hop. Bien joué. Bien joué, plus cuite. Plus que 8. Quand tu veux, l'huile, hein. Quand tu veux. J'ai l'impression qu'elle sert à rien, cette huile, maintenant. Ah mais non, mais je suis bête. Pardon, pardon. C'est pas l'huile avec les... avec les dots, c'est l'huile qui perd fort, là. Et c'est vrai que... Non, ça marche bien, en fait, parce qu'elle a fait autant de dégâts, je crois, sur lui que sur lui. Donc ça va. Non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est moi qui m'énerve pour rien. On va pouvoir se mettre là. Il faut que je fasse un peu plus attention aux dégâts. Voir si c'est vraiment, vraiment utile. Est-ce que... Ah, mais tu peux tuer le... C'est les deux mêmes. Enfin, c'est des deux petits... Enfin, deux petits, genre des... Ils sont ils ont pas beaucoup d'armure. Voilà. Je sais pas si je peux toucher les deux là comme ça. Si. Je crois que du coup lui il va pas crever. Ah, on va peut-être pas réussir à les tuer. Ouf. Oh merde. Avec le moustique. Très bien. On va rajouter un peu plus de poison et Hacker devrait le tuer. Ouais, non, là, Hacker, il peut le tuer. Plus il a fièvre, ça va, quoi. Ben, j'ai rien dit.
Un cœur, tu fais de la merde. Voilà, c'est mieux. Ah! Du coup, on fait quoi? On les laisse venir, on les massacre? Ils sont niveau 10, on risque d'avoir des bons drops. Ou pas? Je sais pas. Ça m'intéresse bien de les tuer quand même. On n'a pas eu de problème ou quoi que ce soit. Je vais être honnête, peut-être qu'on va pouvoir tuer les trois qui restent en fait. On va peut-être pouvoir les tuer et pas avoir de renfort. Mais je pense qu'on va les garder en vie. Et ouais, je veux bien faire les renforts. Toi, apparemment, c'est du niveau 10. Ça veut dire bon matériel. Enfin, niveau haut, en tout cas, niveau élevé. Là, on peut le tuer. On va pas le faire. Toi, tu vas mourir, par contre. Ouh, 14. Ok, ils sont tous du même endroit. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a qui sont perdus. 10, 11, 12, 13. Et le 14e. Ok, ça marche. Là, il faut bloquer ça. Classe 4 est là, c'est parfait. Classe 4. Parfait, parfait. On est reparti à la guerre. Bienvenue. Bienvenue les renforts. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je l'avance un peu trop. Je l'avance un tout petit peu trop. Là, il faudrait qu'il les riposte là. Il faudrait vraiment qu'il les riposte.
Alors, uni. Ah, tu veux voir un peu? 65. Pas mal, pas mal. Piu. Oh, c'est beau, magnifique. Bon, c'était peut-être un peu risqué parce que elle, je crois qu'elle touche. Hein. Et One Art, il a déjà plus de vie, plus de bouclier. J'avoue que c'est pas très malin. Ah merde, le moustique va prendre feu. Ça c'est cool, ça, ce que j'ai fait. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas cette hache. On devrait peut-être lui enlever le fait qu'il puisse brûler. Mais devant One Art. Oh merde! Ouh la vache. Je regarde qui joue à chaque fois parce que là. Pas top top, on va se prendre des baffes. Je sens qu'on va se prendre des baffes. Lui il va sûrement que tirer et il va pas bouger. On va faire ça. S'occuper du côté droit là parce que sinon elle va être dans la merde.
crois qu'il va aller sur Will le mec. Je crois qu'il va aller sur Will lui. C'est que Will. Moustique qui peut me protéger. Miaou. Il prend cher. Hein. Ouais, 56, 56. Non, oui, c'est pas mal. Je pense. Elle fera toujours des bons dégâts. Par contre, vive les critiques, hein. Je te rappelle, War, t'as quand même 42% de critiques. Hein. Donc, hein. Pas que je veux faire mon rabat-joie, mais... Pas mal. Taurus, il peut défoncer elle. Cri de guerre. Ouf, ouf, ouf. Presque inutile, honnêtement. Le Seigneur Lagarde, mais c'est de la merde. Du monde quand même, 40. Enfin, on est bien placé, ça va, pas de problème. Ah tiens. Voilà, on fait une ouverture. C'est pas mal. Je pourrais me mettre là et envoyer un couteau, mais c'est un peu dangereux.
2 à 3. Putain. Ah, mais. Ah, ouais, non, mais eux, il faut vraiment leur briser la garde. Hein, parce que putain. Avec ça va faire quoi? 30-39. Mettre un peu de fièvre au moins. Pam. Y a des gens encore, on va. Ouais, il y a des gens là. Alors, Will, est-ce qu'il peut faire un carnage? Pas, oui, il est pas très bien placé. Non, en fait, ça va. En fait, ça va. Ah, c'est le moment où vous finissez mal tout ça. Pas de vrai tank. Y a Niège, mais pas vraiment passé. À se mettre. Il va sûrement attaquer Liège, enfin j'espère. On va faire original. Voilà.
Ouais, par contre, tu fais chier avec ta garde là. Je peux pas passer. Donc je bouge le moustique. Voilà. Ouais, ils sont très résistants ceux-là hein, quand même. Hein. Putain, entre la gars, ils ont quasiment 50% de garde. Ils ont quasiment ou plus 200 d'armure. C'est pas de la merde. Ah mais j'ai bloqué le passage, attends. Ouais. Voilà. Merci moustique. Ah, voilà, ça valait le coup. Ça valait le coup. 1, 2. Attends, attends. Ça valait le coup. Alors, fais voir. On a un bouclier niveau 9. Cool. On a la mise à jour du bouclier. On a la mise à jour du bouclier. Le pavois. Très bien. Après, on a donc l'intermédiaire enfin niveau 10. Enfin, quand je dis niveau 9, c'est souvent genre le requier niveau 9 pour le personnage de le porter. Hein. C'est ça qui m'intéresse surtout. Niveau 9 pour le personnage. Ça, on peut pas. Oui, il a dégâts critiques dessus. Celui-là, il a quoi? Il a critique 5%. C'est pas... Critique 5%. Kirik, peut-être? Ce Kirik, il est pas très très résistant en fait. Et il doit souvent s'exposer à cause du fait de comment il fonctionne en fait. Avec le truc qu'il doit provoquer, machin, tout ça. Donc il doit souvent s'exposer. Et il a une des armures les moins élevées. Elle, mais elle s'expose pas vraiment. Un facon qu'on pourrait lui mettre aussi. Hein. Elle perd du critique, je crois. Plus 44. Plus 45 d'armes. Ouais, je pense que Kirik est mieux. Enfin, on a plus besoin. Kirik est celui-là qui prend quand même plus de baf. On peut faire ça. 128, c'est un peu mieux. Et on peut lui mettre du critique dessus. Ou je sais pas trop quoi. Garde force, critique mouvement, armure force. Il a 20 de garde. Armure et force. Voilà, 132. Ah, là, c'est pas mal. Là, c'est bien. Là, on retourne sur des bonnes bases. Et après, on a deux masses de malfaiteurs. Deux masses de malfaiteurs niveau 9. Ça aussi, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un a besoin de ce bouclier? Non. Aether, on avait dit que tu voulais que tu restais comme ça. Même si c'est pas le top. Je sens que cette hache, on va la virer.
Et en fait, Niège, on peut pas lui enlever ça, le fait de garde-boue et tout ça, là. On a fait en sorte qu'il se déplace loin. Exprès. Pour parer à tous les problèmes. Donc, je sens qu'on va devoir lui mettre... Putain, c'est con qu'on a, on a vendu la hache. Je sens qu'on va devoir le... Le changer en tant que... Tank, genre on lui met, je sais pas, genre la résistance sur la hache. Ah, enfin, après je peux changer l'huile tout simplement. Mais ça fait un peu du gâchis quoi. J'en sais rien. Parce que le feu ça casse les burnes. Surtout quand c'est aléatoire en fait, c'est ça le problème. Si c'est du feu aléatoire, ça casse les burnes de ouf. Alors, ça c'est moins bien. Là, c'est moins bien. L'inquisitrice. L'inquisitrice a un peu plus de défense avec celle-là. Mais... Dégâts d'attaque opportunité. Et là, c'est... Dégâts critiques. Ah, elle est vachement bien, la brigandine, quand même, hein, de la fraternité. Je pense qu'elle va prendre ça. Ça lui fera un peu plus de d'armure. Là, on a quoi d'autre? Ok, j'ai dû faire une petite pause. Donc, on a été avec des équipements. Il faut enlever... Par contre, on peut pas enlever les renforts directement. Il faut d'abord équiper l'armure. Ça, c'est un peu bête. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Je crois que... Non, dégâts critiques, on ne touche pas. Toi, c'est pas à la mieux. C'est con parce qu'il y a deux emplacements, quoi. Deux emplacements de pierre. Mais bon, c'est comme ça. Là, je suis en train de me demander si la faucille, on devrait pas lui changer pour... Ah non, la garde, c'est bien. Désolé, excusez-moi, je me perds encore dans ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait changer. Je sais pas, j'hésite. Il y a des personnages, en fait, qui... Il y a des gens, en fait, qui sont pas assez intéressants à mon goût pour le moment. Donc Niège, on a un problème avec son arme par exemple. Lui, l'acide et tout ça, là, il faut la virer. Ou il faut changer de hache en fait, tout simplement. Il faut qu'il en, on en crée une autre pour lui, parce que ça, c'est, ça, ça va pas. Après, il y a lui. On avait commencé à faire un build de feu. Mais bon. La rage, c'est plus intéressant quand même. Ou alors on recommence, on ressort le... Parce que après moi j'aimais bien, je vais être honnête quand même, j'aimais bien le fait de d'avoir ça. Donc si on, jamais on avait besoin de feu, on a quand même du feu disponible. Donc moi j'aimais bien ça. Donc je crois qu'on va lui... lui remettre. Ah, on a eu ça aussi. C'est niveau 9, mais c'est pas... C'est gris, quoi. Alors, il faut le réimmuniser. Je pense qu'on va, on va refaire ça. Et on va lui redonner la hache. Ouais. Et du coup, tu prends ça. On pourrait peut-être l'augmenter aussi au niveau 8 au moins. Là, je trouve qu'elle fait pas trop mal. Pas assez mal. Est-ce qu'on a des accessoires de sac qui pourraient être intéressants pour lui? Non. Hein. Non, ça manque d'accessoires de sac. On a trop d'accessoires de ceinture.
Et ça manque d'accessoires de sac. Ça, c'est peut-être un truc qu'il devrait corriger. Ça manque grave d'accessoires de sac. Enfin, après, il y en a des très très bons, hein. Mais en fait, il y en a, c'est pas assez diversifié. Et lui, sur la hache, là, on va lui mettre, je sais pas. On peut lui mettre de la défense. On peut lui mettre de la défense. Bon, bref, je crois qu'on a fait le tour. Vous venez terminer la mission, vous venez terminer la mission. Ok. On en avait deux, du coup. Ou alors c'était la même. Mouvement, ceinture, dégâts, frappe d'équipe. La frappe d'équipe. Par contre, là, on a dégâts 10%. Ça, on n'en avait pas. Enfin, on en avait une. C'est Will qui l'a. Merde. Elle est partie où ? Attends, ça ressemble à quoi ? Ah oui, là-dedans, là. Elle est là. Donc mouvement moins 1 et dégâts plus 10%. Sur Will, c'est très bien. Alors, dégâts et attaques tirs augmentés de 10%, donc non. Alors, pour Taurus, peut-être que ça peut être intéressant. Kirik, honnêtement, je crois pas qu'il ait besoin d'augmenter plus les dégâts que ça. Je crois que ça suffit. Puis en plus, il est pas, c'est pas un peu, c'est pas vraiment le mec qui va taper souvent. Il va faire une charge et après il va se placer avec Lucilla et puis basta quoi. C'est pas vraiment. Hacker, il fait très mal déjà de base. Je dirais Taurus. Je dirais Taurus parce que ça hache. Enfin parce qu'il a plusieurs coups quoi. Il a trois coups déjà. Il a trois habilités pour faire des dégâts. Will, il l'a déjà mené, ça sert un peu à rien. Ça sert un peu à rien. 8, sert pas vraiment à grand chose non plus. Les dégâts, ça vient surtout de... du truc, quoi. Enfin, de son épée, du truc de l'épée, là. Ouais, ok, on va rester comme ça, c'est très bien. Ah, faut réfléchir, hein. Faut réfléchir. Barre aux herbes. Faut couper du bois. Je sais qu'il y a une cage, je sais pas qu'il y a dedans. Ah, c'est sûrement des réfugiés. Pas des réfugiés, pourquoi des réfugiés? J'en sais rien en fait. C'est sûrement des gens qui ont été kidnappés par les brigands en fait. Des attaques dans le dos augmentées de 5. Et ça c'est quoi? La ruche. Oh, oh, c'est pour le bricoler. Me dis pas que... Me dis pas que c'est pour faire du miel. Compagnon assigné, production de miel avec des plantes pendant le repos. On peut faire du miel. Donc ça veut dire qu'on peut faire de... Le miel c'est super rare, il y en a que à Corsia. Donc après on peut faire de l'hydromel et tout. Oh là là, ça tue... Aidez-nous, pitié, ils vont revenir. Bah non, on les a tués. Je vous en supplie, au nom du soleil, délivrez clé ouvragée. Ah, merde. Il faut une clé ouvragée. Ah, merde. Pourquoi on a besoin de voler ça? Lorsque les troupes collectent une ressource... Ah oui, c'est ça. On a besoin de voler ça, ça me fait rire quoi. On a tué tout le monde. Bon, il faut une clé ouvragée de cette contrée. Ça marche. Bon, par contre, on a une mission avec un mec en plus, donc on va devoir faire ça, son histoire parce que. Sinon, on va pas y arriver là. Ça prend de la nourriture, les gens en plus. Bien.
1700. Vache. L'homme que vous avez dénoncé au bon moment, vous avez fait parvenir les récompenses. Vous avez obtenu 150. Ah, c'est le mec qui est parti là. Ouais, ok. Donc il nous a payé comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a des trucs à prendre dans les trackers là? Parce que maintenant on a des peintures. La nouvelle de Luden sont préoccupantes. Quelque chose d'anormal. Ça. Yes, let's go. Merci. Ouais, vous avez une traque bizarre qui se passe et le mec qui est avec nous, c'est il en parle aussi de la traque de la troupe de la de troupe fantôme là. Je sais pas pourquoi. On va voir ce que ça nous donne. Ah merde. Ça c'est vachement bien je trouve ce qu'ils aient fait ça avec une horde là qui... balade. Ouais, ça doit être là. On s'est fait attaquer. Un vrai massacre, n'est-ce pas? Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a eu un survivant. Vous en avez peut-être entendu parler. Quant à ce qui s'est passé, disons que vous n'allez pas tarder à le découvrir. J'espère que pour vous, que vous serez plus compétent que ces hommes l'ont été. Suivons la piste. Nous reparlerons quand nous aurons trouvé la meute fantôme. Ah tiens. Emma l'impudique. Pascal est bonne, Lucie elle est bonne. Il y a la garde juste à côté, faut faire attention, on a encore une armure volée. Je comprends pas pourquoi on a 1700. Genre c'est libérer le fort et tuer les gens, c'est ça? On a fait les deux en même temps? Ou alors les renforts c'était une autre mission peut-être? Ah, c'était peut-être une autre mission les renforts en fait. Je sais pas. L'emplacement est un peu pourri. Donc, Laska ici. Il y a 8.
Ça va, il devrait pouvoir gérer. Après là, on a 4 et la 4. On a Kirik, Aether, Inquisitrice. Il nous faut plus de DPS. On a Lucie. On peut mettre Lucie derrière. Après, c'est que des animaux et elle. Donc, c'est pas vraiment très puissant. Mener. Niège, Taurus. Ouais, ça passe. Non, surtout des animaux, donc en fait, on en a rien à foutre. Ah, vaillant, ça se cumule pas. Vaillant, ça se cumule pas, du coup. On a deux personnages avec vaillant. Et on a que 2 points. On n'a pas 4. C'est con, hein. Donc, ça sert à rien. Faudrait pas que le jeu le propose, en fait. Faudrait pas du tout que le jeu le propose. Vu que ça marche pas. Donne un petit coup de civilisation, ça va. Merde, je peux pas passer. Bête, on a perdu l'opportunité d'avoir des points en plus pour c'était quoi, je crois que c'était Kirik qui avait ça, des aptitudes en plus. Donc ouais, vaillant c'est une seule fois, pas deux. Ça il faudrait vraiment, ouais, comme je te dis, il faudrait pas qu'il propose, du coup faudrait pas du tout qu'il propose. Je crois qu'on va pas bouger. On va les laisser venir. C'est un mêlé l'autre. Ouais, ça... C'est Lucie qui est là, donc ça va. Tu peux prendre l'ours. Là, très bien. Pam 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 pam. Elle est où, War? Ah, elle est là. Ah mais non, mais c'est mon moustique. Je me suis dit, ouais, je peux toucher les trois. Ouais, mais non, mais il y en a un, c'est mon moustique.
Pas mal, magnifique, magnifique. Poussé quoi. Bien joué. Oh la vache. Putain. Ça fait mal, hein. Six points de dégâts, on est bon. Hein. On est bon. Est-ce qu'on va pouvoir les tous les tuer en un tour, je crois. Non, peut-être pas en fait. J'avais oublié qu'il y avait l'ours aussi. Non, on va pas pouvoir les tuer. Ouais, non, prochain tour, on les tue. Merde. Oh non. Non. Attends, je peux faire ça. Non! Je voulais me déplacer sur le côté gauche. Ah, j'ai merdé.
Adieu. Voilà. On n'en parle plus. Alors, on fait voir maintenant ce qu'on peut faire là. On lui enlève la garde. On retire celui-là. Très joli. Magnifique. Nouvelle hache, bûcheronnage. Se relance pour chaque unité touchée qui saigne. Trois animaux composés, lame de cette hache, des plumes d'une mésange des marais, un croc de crocoporc et des poils d'un monstre de la meute fantôme. Eh, pas mal, c'est con que... Ah mais non, c'est à deux mains, non, je peux pas lui mettre à l'autre. Ça a l'air pas mal quand même. Ça a l'air pas mal ça. Faire gaffe parce que ok, je crois que je vais devoir dormir à la belle étoile. Non, t'es sérieux? Bon, ce sera la belle étoile, ça va. Alors, fais voir, parce que là, on a un truc sympa. Une ruche. Ça tue, ça tue. Alors. Ah, on peut mettre ça. Il en faut 3, ok. Là, il en faut 3 aussi. Ça marche. Ça marche. Persil des marins, on en a beaucoup pour le moment. 12. Est-ce qu'il y a des... Attends, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus propices à faire du miel ou pas? Non, je pense que c'est pareil. Donc il faut que quelqu'un travaille sur ça, mais c'est fou ce jeu. Bah, l'inquisitrice, tu vas t'occuper du miel. Ah, c'est fait comme ça, elle s'était fait piquer. Ok, c'est pas mal. Il y a des moustiques dans le camp, là. Il y a des moustiques dans le camp. Ça fait tellement bizarre. Mais bon, ils sont cool. Donc ça, on va le laisser, hein. Laisser seul, pas besoin de mettre des jambes dessus. Donc maintenant on fait du miel. Ça tue. Ça tue.
Ah tiens, on peut faire ça. Ah oui, c'est vrai qu'il nous avait donné des fruits confits. Là. Donc ça fait dégâts critiques 25%. Ça va le garder. Là, on a des cadavres encore. On va mettre 10. Ça, c'est bon. Je crois que les autres, on va les bouffer. Je crois qu'on va devoir manger un crocopore. Non, man, enfin, un machin là. Un sanglier. C'est pas énorme, hein, encore une fois. Alors, on n'a pas de haricots. On va en faire 10. Voilà. Oh. Parfait. Alors, Orline s'est fait piquer. Ça va, 5, 2. Connaissance du monde augmentée. On a récupéré 6. On a fait de la viande, du cuir, de l'eau de vie, du miel. Et boucle de ceinture. Et aussi 2 matériaux bruts. Pas mal. Je parie qu'à l'heure qu'il est, mes victimes se sont pas encore rendues compte qu'elles ont été dépouillées sur Saint-Septième. Je suis né pour ça. Se moquer. Ouais, je veux bien récupérer les trucs. Le soupçon généré augmente fortement. Alors, toi... Bah tiens, tu peux t'occuper de ça. On voulait pas le faire monter de niveau, lui. Je sais plus pourquoi. Non, je sais plus. Non, c'était Taurus. Mais Taurus, il est occupé à faire quoi? Taurus, t'es ouf. Taurus, tu fais le barde. Ouais, ça fait une volonté de tout, à tout le monde. Non, c'est bien. Honnêtement, avoir plus, plein de volonté, c'est quand même bien. Quand même sympa pour le combat. Pour la galvanisation et tout ça. Allez, on va prendre notre paye. 1900 de paye. Ah, c'est pas mal, hein. On peut voir un peu. Donc on a vaincre l'escouade, vaincre la bande de Danig, ancienne tour de guet x2, je sais pas pourquoi. Piller l'ancienne, je sais pas. Il y a peut-être un bug, je vois pas pourquoi ça a compté deux fois en fait. Ça c'est pas logique par contre. Ancienne mine d'or devenue un lieu dangereux depuis que les bandits. Ok, on y va. Ah, en plus on doit y aller, on a une mission à faire. On a une mission à faire là-bas déjà. Ok. Bon bah du coup on va peut-être utiliser la hache là qu'on vient de récupérer. Ah non non non, c'est une hache d'automne. Je crois que j'oublie. Non, achat de main, on s'en fout du coup.
Super. Mais ouais, on s'en fout de l'achat de main du coup. Elle a l'air intéressante après. Hein. Genre si beaucoup de gens saignent, ça se relance et tout, ça tape. Après, c'est 55% de la force. C'est pas énorme. Mais bon, vu qu'on peut taper plusieurs fois, j'imagine que c'est un peu pour ça. Je regarde un peu ce qu'on a à faire. Tous ces trucs-là, je suis d'accord, on pourrait les vendre. Ça nous fait à chaque fois des... Genre le chloroforme, c'est 1, par exemple. On pourrait vendre et tout ça. Mais bon, on les a créés. On a utilisé des ressources pour faire ça. Putain, les remèdes pour la peste, 26. ...215 de tissu. Putain. Ça, on sait toujours pas quoi en faire, hein, le cul pestiféré. C'est fou, hein. C'est fou. Bon. Tout va bien. Bon ben voilà, on a un peu d'argent de côté, 5009, ça va, on va pouvoir genre augmenter des armes et tout ça si on veut. Ça donne ça. Alors, les remèdes, on va faire un. Les bombes. Les fioles incendiaires, on en a. Les remèdes d'Arag, on va en faire encore. Alors du coup, on voudrait potentiellement mettre une huile sur ça. Bon, lui, on va le laisser, du coup, on l'a refait le coup du barbare feu, là. Ouais, on lui relance le coup du barbare feu. Par contre, Niège... Bon, Niège, c'est une... Ouais, c'est une hache qui va booster ses dégâts, quoi. Bon, il n'est pas vraiment dégât, mais bon. C'est pas vraiment grave. Du coup, Niège, on voudrait un truc pour le protéger, j'ai envie de dire. Empoisonner. Ou alors, on lui met poison... Non, poison ici, ça risque d'être la merde. Non, parce que je me suis poison, c'est sympa de mettre du poison, mais ça risque de mettre de faire des problèmes et de conversion. Ah oui, chaque fois une compétence inflige des dégâts. Oui, mais il fait pas de mal, hein, donc il va récupérer quasiment rien en dégâts en vie en fait. La vivacité, on sait toujours pas ce que ça fait. Compagnon commence avec déviation. J'hésite entre... Enfin, il est déjà défensif. Quoique non, enfin pas vraiment en fait. Non, les tanks à la hache sont pas vraiment bien. Hein. Les tanks à la hache sont bof. Hein. Ils ont pas de passif en fait. Il y a ça, au niveau 10 à la limite. J'ai la chance d'esquiver. Mais les meilleurs tanks, pur tank, via la masse, grâce au opportunisme. Alors c'est passif du coup. Après l'épée, y a l'immunité contre les debuffs. Mais bon, il n'y a pas de la défense par contre. Ah, si. Il y a rempart. Chaque fois que cette unité s'engage, elle gagne déviation. C'est intéressant aussi.
Mais ouais, mais après, tank à la hache, c'est pas vraiment ça. Mais bon, lui, on veut qu'il soit résistant, parce que lui, c'est un peu le cœur avec Ovation et tout ça. C'est un peu le cœur du jeu, quoi. Pas de notre équipe. Faut pas qu'il meure. Faut pas qu'il soit dans la merde. Faut qu'il soit tout le temps libre de se déplacer. En plus, voilà, faut qu'il soit... qu'il bouge bien. Donc... Ah, je pense qu'on va lui mettre celle qui protège, là, qui fait 10% de dégâts en moins. Renforcement, c'est ça? Dégâts, 30% de chance de réduire les dégâts subis pendant 3 tours. Voilà, on va faire ça. Elle est très bien aussi, celle-là. Voilà. J'avoue que ça va... Merde, les plantes, lâche-moi. J'avoue que bon, c'est une hache pour faire des dégâts, enfin qui booste les dégâts. Je suis d'accord, hein, mais bon. A pas trop de logique de faire ça, mais. Bon. Comme ça. Pour le moment, c'est ce qu'on fait. Il faudrait qu'on aille réparer nos armures. Faire un mat de fin aux pommes du coup. Oh là là, mais c'est trop bien. On peut faire ça. On peut faire du porridge aussi. Ah ouais. J'avoue que c'est puissant là de faire du miel comme ça. Il y a des trucs comme ça, en fait, il faudrait... Je sais pas, quand je referai le jeu, quand il sortira... Non, je pense que je le ferai normalement, c'est-à-dire région par région. Maintenant que je sais comment fonctionnent les régions, je dirais région par région. Et on débloque les choses au fur et à mesure. Ouais, on va pas se faire chier à... Après, j'avoue d'aller récupérer des choses genre comme ça par exemple, genre pouvoir faire du miel tout le temps, pouvoir faire de l'alcool tout le temps, pouvoir enfin, voilà, ce genre de choses, oui, c'est vachement intéressant de les avoir en fait dès le début, quoi. Parce que là on a un camp qui fait énormément de choses. Je sais même plus pour qui je la voulais, cette arme. Ouais, on a un camp qui fait beaucoup de choses. Donc c'est vrai que débloquer ça, comme d'habitude, hein, une fois qu'on connaît les RPG, tout ça, enfin le jeu en question, débloquer des objets cruciaux et qui peuvent vraiment aider à rendre la chose plus simple, c'est bien. Mais après, est-ce qu'on veut vraiment aller après, le faire du début? Oh. Je sais pas, perso. Je pense pas que je le ferai. Je pense, comme j'ai dit, j'en ferai région par région. Ce sera plus fun. Enfin, ça sera plus... voilà, on y va avec la vitesse du jeu, quoi. Puis après, c'est toujours la même chose, hein, le coup du... Faut esquiver les bestioles et tout aussi, hein. On va aller là. Faut esquiver les bestioles, parce que bon, hein. Genre on essaye d'aller à un endroit, on se fait choper, c'est fini là. Là, il n'y a plus rien. Voilà, ça. Par contre, il n'y a aucun marchand ici. Qui vend du givracier, j'ai l'impression. N'en a pas vu un seul pour le moment. Donc ça m'embête. On va chanter.
Ouais, ça m'embête un peu qu'on n'arrive pas à voir du givrassier ici. Putain, si j'avais su que c'était aussi rare. Hein. Après, c'est normal, je trouve que ça va. C'est logique que ça soit rare, parce que c'est quand même pour faire des armures vraiment bien. Et c'est des armures avec des slots, en fait. Pour mettre des renforts, donc c'est... de la merde, quoi. C'est pas de la merde. Voilà, on a fait ça. Donc là, on a ça, ça, ça. On a deux rats à faire. Bon, bah du coup, on a qu'à aller là. Enfin, on peut faire peut-être ces deux-là, puis après on enchaîne là-bas. Est-ce qu'il y a des moustiques ou pas? Non, il n'y a que des zombies. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'arbre ou pas? On a sauvé le mec, mais... On a aussi une clé à trouver. Ah, on va peut-être la trouver dans... Doucement, doucement, doucement. Ici, parce qu'il y a une grotte et tout. La ferme. La ferme, on l'a fini. Hein. La ferme, on l'a fini. Comment je monte, moi? Que là-bas, là-bas il y a quelque chose ou pas? Oh mon dieu. Non. Ah, ils vont bien nous choper au bout d'un moment. Ça va. Oh. Attaque surprise. On a juste genre marché jusqu'au truc. Je pense que on va peut-être dormir là, comme ça on aura la meute fantôme. Je pense que ça va être notre dernier combat, puis après on va dormir. Et où Klaska? Je crois qu'on va la mettre là. Il est où le chef? Le chef, il va se faire attraper par lui. Cri de guerre.
très bien. Aïe. C'est ça que j'attendais, surtout galvanisation en fait. Alors, on a Glaska ici. Je voudrais bien utiliser des lames, hein, mais des faucilles, hein, mais on n'a pas de givrassier déjà. Le seul arme de lancer qu'on a, on en a un peu, c'est les haches. Ah, après je peux faire les versions en dessous. Ah, je peux faire les versions en dessous, on devrait pouvoir en faire pas mal. Ça, je peux. Très bien. Ouais, ça, faut que je le marque. Faire des... H et fossiles. Non, des fossiles. Des fossiles. Un niveau en dessous. C'est pas mal ça. Comme ça, je pourrais les utiliser au moins. Parce que je crois qu'il va falloir juste du métal. Ça doit être simple à faire. Ah là, il y a... Oh non, mais c'est... C'est... Alors, j'ai l'impression que... Depuis qu'elle a ça, elle fait plus de critiques. Ou alors c'est moi qui fais pas... Qui extrapole. Je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'elle fait plus de critiques. Par un moustique. C'est un peu la honte. De loin. Et voilà. Plus d'armure en plus. Voilà.
Espèce de saloperie quand même. Dites-moi que vous voulez partir, les mecs, putain. Vous voulez pas partir? Non. Boing. Est-ce que ça va le stopper? Non, ok. Bien ce que je pensais. Non, c'est vraiment que le mouvement qui marche avec ça. Comme les autres habilités. Mosquito, là. Ah, la vitesse du machin, quoi. Pam, 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 pam. Il est où, Niège? Il est bloqué avec le l'archer, je sais pas où, je sais plus où. Ne dis pas que... Non. Vas-y, moustique. Seul... Toi seul peux nous sauver. Ou pas. Attends, non, c'est bon, c'est bon. Je crois qu'il a porté. Ah non, même pas, mais on a ça. Très glorieux. T'avais pas glorieux, déjà, de base? Changer un point, bravo, à la fin de son tour. Ça va, c'est cool. Je sais pas comment il gagne glorieux, je sais pas comment ça fonctionne. Très bien, vas-y, fais ça. Joli. Ah. Alors, on a une masse. Ah, c'est le broyage d'armure. Allez, honnêtement, elle est pas mal. Hein, ça, elle est pas mal. Un cadavre. Et après, on a ça, légère 7, hein, critique 4. Légère 7, ça peut être... Critique 3. Genre 7 d'armure en moins pour un critique. Et One Art, quoi. Non, le mi critique 2 Dex, t'as critique 4 en tout. Volonté. Ah oui, Jacques du Capitaine. À la limite, en fait, c'est mieux ça parce qu'il y a plus d'armure, tu perds Dex et Volonté. Je vais voir ça. Et est-ce que Orlin peut du coup porter ça? J'aime beaucoup cette tenue pour les voleurs et tout ça. Je trouve que c'est une des meilleures, la légère, le Jacques du Capitaine. Celle-là est sympathique aussi, mais je crois que j'ai un petit faible pour celle-là. Après, celle-là, j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de pochettes et tout. Je kiffe ça. Les armures sont très jolies.
Après, celle-là aussi, elle est très commune. Le truc de bord la loi, là, l'Aubert. Ça, je suis pas fan. Elle est super... Les stats sont super, hein, mais j'aime pas. Celle-là, je la trouve sympathique, le blastron des hors-la-loi, là. Les armures lourdes hors-la-loi, elles sont jolies aussi. Ça, c'est très chevalier. En mode mais très très chevalier. Je suis pas trop fan non plus. C'est pas très spécial, quoi. Ça, c'est sympa aussi. C'est classe. Bref. Est-ce que ça vaut le coup de perdre 12 d'armure quand même? Est-ce que ça vaut le coup de perdre 12 d'armure? Je dirais pas non. Après lui, il est bien dans les maisons, dans les lieux hantés là. Pour ça, peut-être que ça, volonté, parce qu'on le prend toujours en fait. Où il y a les zombies qui peuvent venir, on le prend toujours. Donc du coup, il y aurait plus de volonté. Ça peut aider peut-être. Erline, tu prends ça. Mais je crois qu'en fait, c'est plus ou moins la même chose. 7 d'armure. Elle aurait 52, lui il a 47. C'est pas beaucoup quand même. Pas beaucoup d'armure. Je vais... Là, c'est juste 5. Je vais privilégier l'armure. Là, c'est exactement les mêmes stats là. Bon, il y a la volonté, la dex. Je vais privilégier 65. L'armure. Parce que... Non, attends. Parce que c'est quand même dangereux ici. Celui-là, il est vachement bien quand même. Hein. Niveau 6 en or. Ça m'embête de m'en séparer. Hein. C'est vraiment des détails de stats. Mais à la limite, honnêtement, entre genre du critique et tout en plus, je préfère quand même avoir plus d'armure. Genre si c'est pour un ou deux critiques. Je préfère avoir même plus de points d'armure, quoi. Même si c'est genre 5 ou 10 ou 3, je privilégie l'armure. L'armure, c'est un peu la vie ou la mort, quoi. Enfin, surtout pour les légers qui n'ont pas beaucoup d'armure de base. Donc ouais. Alors, on va dormir, on va s'arrêter là. On a toujours une arme. Je me rappelle même plus. C'est quoi une armure lourde ça? Ah oui, c'est lourd. Oui, celle-là, elle avait pas. Elle a l'air pas. Oh, les corps. Le miel, on est bon, le miel, ouais. Parfait. Moins un. Ah putain, il y a encore ce bug. Voilà. Ceci.
système de manger moins, mais en fait ça marche pas. Blanchi. Wanart a dormi trop près de la ruche et a subi des piqûres d'abeilles. Oh. Force et dex réduit de 30%. Ah ben putain. Donc les abeilles, faut les mettre plus loin. C'est marrant ces petits événements comme ça. Ah, c'est moi, je trouve ça drôle ces petits événements. C'est sympathique. Moi, je trouve ça sympathique. Ben voilà. Ben voilà. Ça, on va vendre. Ça, on va vendre. Ça, on garde. Ça, on vend. Ça, on vend. Parfait, fait du miel. Ça, c'est vachement bien, ça. Vachement bien. Là, ça... Oh là là, qu'est-ce que ça, ça change la vie, là. Bah ouais, bon, on continuera ça la prochaine fois. Je pense que ça s'est bien passé. Notre camp est marrant. Je trouve que les moustiques sont quand même bien. Encore une fois, j'en parle beaucoup des moustiques, puisque j'hésite entre le coracoport et le moustique toujours. Mais je crois que les moustiques sont sympathiques quand même. Ça aide vachement. Et comme j'ai dit, si jamais on passe à côté d'un autre groupe, on... Ouais, on peut pas enlever le poison, honnêtement. Alcane Fureur, chaque unité se soigne. Elle se soigne à tout de quand elle fait des dégâts. Ouais, non, on peut pas non plus. Mais ouais, faut tester transfusion dopante. Tester ça. Parce que si ça fout à chaque fois fureur dès le début du combat, ça peut être intéressant, ça, par contre. Vu qu'on peut les mettre... vu qu'ils prennent pas trop de place, genre on peut les mettre comme ça, là, juste à côté des gens même qui travaillent. Genre comme ça. Hop. Ça peut être intéressant. Ah oui, j'ai aussi l'armure du coup. Attendez, avant qu'on quitte, on va regarder ce qu'on en fait de cette armure. Donc c'est une armure pour un niveau 8, c'est lourd. Donc Lucie, classe K, etc. etc. Ah, attends, elle fait quoi? Elle fait dégâts critiques. Ah, à la limite, classe K. Lucie, elle a pas... Ouais, facile, enfin, si, Lucie, elle a déjà une bonne armure. Et elle a surtout des renforts avec de la force. Alors il y a Klaska et Niège en fait. Donc du coup, bah, Klaska, je pense. Elle va gagner 1 de garde, 20 d'armure, des dégâts critiques. Elle perd force et crit, c'est pas grave. Voilà, c'est pas mal. Elle est à 91%, parce que ça c'est 100% critique quand il n'y a pas de garde. Donc du coup, go les dégâts. Et Niège, est-ce que ça c'est mieux ou pas? Tu vas perdre un peu de mouvement. Attends, on peut... Tu vas perdre 2 de mouvement. Voilà, mouvement 0. Et cette armure-là... 8, il a sa propre armure avec des dégâts critiques, pas besoin. Après, il n'y a personne d'autre hein, qui peut porter les armures. Là. On en a 4. On a Klaska 1, Niège 2, Lucie 3 et 8, 4. Kirik, c'est moyen. Will aussi. Lija aussi. Ouais. Bah ouais. Niège, il a eu un boost en défense et en armure. Là, il a 156 maintenant. C'est très bien. Et il a beaucoup de vie et tout. Je crois que c'est très bien.
Klaska, elle a gagné en dégâts, du coup. Gagné en dégâts, elle a toujours 36 de garde, ce qui est très bien. Lucie, bon, elle a pas changé. Ouais, on a perdu un tout petit peu en mouvement, mais ça devrait aller. Mais le 156 d'armure, là, c'est pas mal. Il est presque aussi bien que Lucie. Donc ça, c'est sympa. On n'avait pas des boucliers supplémentaires. Bref. Donc il faut faire des faucilles là, mais de le niveau en dessous. Comme ça elle peut les lancer, parce qu'en fait elle les lance jamais celle-là. Hacker il les lance de temps en temps. Elles sont quand même utiles, parce qu'il peut faire saignement et tout ça. Il a un truc qui fait saignement et qui fait plus de dégâts quand ça saigne et tout ça. Mais même après les dagues empoisonnées peut être intéressant pour lui, parce qu'il peut faire... Parce que les dagues empoisonnées, c'est du 100%, c'est ça la différence. C'est que dagues empoisonnées, c'est 100%, alors qu'à faux, la hache, c'est 30%. Ah non, il faut un critique, pardon, il faut un critique. Bon, bah du coup, c'est 38%. Donc, ouais. Mais bon, 10% de dégâts critiques, ça vaut. C'est pas. Non, faut lui laisser ça. Mais ouais, des fossiles de bas niveau, voir si c'est possible en faire. Et vous savez quoi, on peut même regarder directement maintenant. Donc il y a ça à prendre. On a tous les renforts. Les fossiles de bas niveau. C'est possible. Si, c'est ça. Donc 7% au lieu de 10. Enfin, un peu moins de dégâts. Et ça fait 30% de chance de générer un malus aléatoire. Donc du cuir, du charbon, du fer et du bois. On a tout. Il y a juste le charbon à acheter. Donc ouais. Je l'ai marqué. Je m'en rappellerai pour la prochaine fois. À la prochaine, portez-vous bien. On va remettre hacker au feu. Je crois. Voilà. À côté du moustique. Voilà. À la prochaine. Ciao.